Ça va, 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 ça va,
Thank you.
Pourquoi je prie? Pourquoi je pleure?
Thank you.
Thank you.
Rassembler 15 000 euros pour toi. Je vous passe les détails de On pleure tous ensemble, je vous passe tout ça. Touché par ça, je me dis waouh, t'imagines, t'étais en souci, on t'appelle, et pour te dire que tous les concerts qu'on a fait, ça a ramené 15 000 euros de bénéfices, et là, tu peux acheter le terrain, tu sais quoi ? Vas-y, signe, je te fais le virement de suite, quoi. Et on a fait le virement instantanément, elle a pu acheter les deux terrains. Et là, elle va vous montrer une petite vidéo parce qu'on a filmé les terrains, parce que comme elle est encore là-bas, je vais vous filmer. Alors regardez la petite vidéo. L'association Main d'Espoir. De magnifiques projets. On a envoyé une équipe il y a quelques temps pour pouvoir faire chanter les enfants. Et là, on est en train d'aider 15 adolescents qui, pour les sortir de la rue, on est en train de monter ce projet-là pour une maison qui va s'appeler la maison Main d'Espoir. « 2022, 8 000
dans vos récoltes pour la cantine de l'espoir. Et cette année, nous sommes super fiers, mesdames et mesdames, messieurs, de pouvoir récolter 15 000 euros pour cette belle association. On peut applaudir Gaëlle Azoumé, on peut applaudir toute son équipe, s'il vous plaît, on peut l'applaudir très fort parce qu'elle fait un travail extraordinaire. Bravo Gaëlle, je ne sais pas où t'es, mais je t'embrasse très fort et je t'aime. C'est extraordinaire. C'est magnifique, hein. Vous participez à tout ça, merci. On continue notre show. Les premières années, quand ils sont arrivés, j'ai dit, vous inquiétez pas, inscrivez-vous, on chante tous les chants en français. Après, ils sont inscrits, c'est une sorte de guet-apens, si vous préférez. Parce que les gens, ils s'inscrivent, et puis d'un coup, je leur mets un chant en anglais. Il faut un chant en anglais, quand même, et tout. Et j'ai dit, j'ai une idée, cette année, on va chanter en latin. Ouais, en latin. Vous aimez le latin? Et tous mes choristes, ils m'ont dit, Franck, comment on va chanter en latin? Je leur ai dit, je vais vous donner une feuille chacun. C'est ça? Je me dis, je vais vous donner une feuille chacun, moi, pour ensuite. Et ils m'ont dit, non! On veut pas de cette feuille! On veut chanter par cœur! J'ai dit, mais vous êtes sûr? Ils m'ont dit, oui! Exactement pareil, quoi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Carmina Burana. Yeah.
s'il vous plaît. C'est tellement court.
tellement fragile aussi que depuis, après le temps ne laisse plus rien à vivre. Ce sera
Bravo, merci. Impressionnant. Je chante à côté, je me dis à chaque fois, aïe, aïe, aïe. Elles se sont préparées, elles sont magnifiques. On a souvent, je disais au spectacle précédent, sur la chance sur le spectacle des Restos du Cœur et des Enfoirés, je sais que vous êtes très généreux avec ce spectacle-là, on a souvent ce genre de numéro incroyable, est-ce que vous saviez le travail que ça représente? Bon, vous savez très bien, vous avez bien compris que je leur ai tout appris, que c'est moi qui suis à la base. Oui, parce que c'est le chassé qui me... Bon, allez, encore un tonnerre, parce qu'elles sont formidables. On va essayer de choper une chanson, en fait, juste pour vous dire que ça y est, mesdames et messieurs, l'ouverture de la saison estivale a commencé. En tout cas, ici, je suppose, ça y est, les gens viennent vous visiter, viennent voir Toulon, et puis moi, du côté de la Corse, ils viennent aussi, ça y est. Les bateaux arrivent chargés à bloc de gens qui ont envie de découvrir cette île mystérieuse, magnifique, incroyable, et puis qui vont certainement repartir avec un peu de chanson, peut-être un peu de sable pour le mener sur la cheminée ou sur le bureau du petit. Ils vont repartir certainement avec un bout de bois, un bout d'un œil de Sainte-Lucie trouvé sur la plage, dans ces eaux cristallines que nous offre la Corse, que ce soit en montagne ou que ce soit en bord de mer. Juste pour vous dire que ça y est, les bateaux sont pleins. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous protéger la peau. Le soleil en Corse frappe plus fort que dans toutes les îles du monde. Et je sais ce qui va se passer, vous allez arriver au Far West, c'est pas grave. Je crains rien, et deux jours après, vous allez demander de la biafine dans toutes les pharmacies. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a une chanson qui caractérise la Corse. Je l'ai chantée à l'époque avec Patrick Bruel. Il n'a pas pu venir ce soir. Il est à Nîmes. Et cette chanson, évidemment, restera éternelle. Et elle s'appelle tout simplement Corse. Hey, Forza! Oh,
allez continuer cette belle soirée. Merci. Merci pour ce bel accueil. Merci à toi. Patrick Thury, s'il vous plaît. Et tu sais, j'ai envie de te demander, mais je sais pas, que j'ai croisé un petit garçon tout à l'heure et c'était son anniversaire il y a trois jours et puis il m'a regardé avec des grands yeux, j'ai dit, tu l'as pas vu parce que t'as pas pu me voir. Il m'a dit c'était mon anniversaire il y a trois jours, monsieur Patrick Chiqui. Alors j'aimerais juste lui chanter Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Allez, je vous laisse. Merci encore pour la bonne. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est bien. Ça va? Faut juste que je redescende un petit peu. Vous allez bien? Oui! Il est cool le public, hein, qu'est-ce que vous en pensez? On les applaudit très fort? On peut les applaudir! Thank you.
Dieu.